une tempête de neige ou une plage ensoleillée. Où est-ce que tu vis? J'ai chaud. Je devrais baisser la température. Oh. Moi, j'ai froid. Je vais augmenter la température. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi la télécommande. C'est moi qui est en charge du contrôle du climat. Non! Donne-la à moi! Hey! Vous vous disputez pour la température? Et si chacun construisait sa propre pièce à la température parfaite? Le gagnant remportera cette malle de billets. Vous êtes partant? Cet argent sera à moi. En quoi c'est si difficile? Mon doigt! J'ai besoin de ma copine pour m'aider. Allô, Roxy? Tu veux bien m'aider? Je suis là, ma belle. Molly a toute une équipe d'ouvrières du bâtiment avec elle. Salut, Elliot. J'ai besoin de ton aide. Carrément, bro, pas de problème. Roxy, mate-moi ces noobs. Nous, on est des pros. Oh, wow. Au boulot, Molly. Ce sera notre mur. Tire-le vers toi. Maintenant, déplace-le vers l'avant. Il nous en faut un autre. Ce mur est encore mieux. Un peu plus écarté. Apporte le plafond. Cette feuille de contreplaqué fera l'affaire. Non, rapproche les murs. Super, ça a marché. Notre chambre a une structure. Partenaire, tu dois te changer, toi aussi. Prêt? Bam! Super! Maintenant, on forme une équipe de rêves glacés. On va monter les murs. Super, j'apporte l'autre. Alors, c'est cool, non? Regarde ce mur! Il manque le toit. Merci. Avec plaisir, demande-moi ce que tu veux. Et c'est qui, ça? Oh, laisse tomber. Mais bien le toit. Votre attention, tout le monde. Épreuve numéro 1. Peignez les murs. Au travail! T'es prête, Molly? Je suis prête, Roxy. On va faire les murs en jaune. Oh, regarde ces pinceaux. J'ai un seau de peinture. Au boulot! C'est vraiment impeccable. Les garçons s'en sortent vachement bien aussi. Notre couche de peinture glacée est nickel. Mais il nous faut autre chose. Je sais, des tuiles glacées. Super, on va les attacher au mur. Tiens, une autre tuile glacée. Jolie. Maintenant, on a une vraie maison glacée. Waouh! Je peux vraiment sentir le froid provenant de ce mur. Vous gagnez un point. Les filles ont perdu. Nouvelle épreuve. Décorer les murs. Je suis un pro de la décoration murale. Surtout quand j'ai de la peinture. Oh waouh! Ce flocon de neige est super! À ce rythme, on va jamais gagner! Je vais t'aider. D'abord, on va découper un pochoir. On le fixe au mur. Et on le recouvre avec un peu de peinture. Comment ça se passe chez les garçons? On peut faire beaucoup mieux que ça. Bro, mais t'es un génie! Maintenant, je peux faire des flocons de neige parfaits. Top là! On a besoin de peinture. Et de pinceaux? Non, de nos mains. Trempe ta paume dans la peinture. Et peins direct sur le mur. On a fait un mini feu de joie.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à le contourner avec une couleur plus foncée. Pour que le feu ressorte encore plus. Oh, des flocons de neige. Pas mal. Mais regardez ce que les filles ont fait. Il fait chaud ici. C'est une mini cheminée. Un petit feu de joie. Génial. Je vous donne un point pour ce round. Allez, me donnez pas ce regard de braise. Une couverture toute douce sur le sol. Ça rendra cet endroit encore plus confortable. Et quelques coussins. On va ajouter un matelas douillet. Et une couverture par-dessus. Attends, j'ai une idée. Tiens, des coussins. Et on peut se servir de ce paravent. Ouais, super idée. Je vais t'aider. Génial. Ce qui est vraiment génial, c'est ce pouf en forme de pingouin. Coucou, Colin. Wow. T'es un génie du pingouin, toi. Parfait. Hé, regarde les garçons. On va peindre les côtés en blanc. Jolie neige. Est-ce que c'est vraiment un pouf en forme de pingouin? Un point pour le pingouin. Nouvelle épreuve. Ajoutez de l'éclairage dans vos pièces. La lumière? On devrait commander une lampe chez Ikea? Non! On peut faire notre propre lampe. Fais-moi confiance. Gonfle un ballon. Enduis-le de colle. Et enroule des fils autour. Ajoute plusieurs couches de fil et de colle. Attends que la sphère sèche et retire le ballon. Fais une petite sphère et une plus grande. Mets une guirlande lumineuse dedans et construis un bonhomme de neige. Ajoute un chapeau et une écharpe. Ajoute des brindilles pour faire les bras. Et colle une carotte en pâte à modeler pour faire le nez. Ça fonctionne! Notre bébé bonhomme de neige brille. Mais il n'est pas chaud. On devrait installer notre déco sur les étagères. On n'a pris que des couleurs chaudes. Pour la lumière, c'est facile. On va décorer une horloge avec une bande de néon. D'abord, fais un cadre en néon autour de l'horloge. Mais c'est pas tout. On va mettre des rayons en papier autour du soleil. Et voilà! Ladies and gentlemen, ce soleil brillant est éblouissant. Vous obtenez le point pour ce round. Surprise, surprise! C'est une nouvelle épreuve. Décorez votre chambre. Du papier, des ciseaux et de l'imagination. C'est tout ce qu'il me faut. Maintenant, je vais accrocher des flammes un peu partout. Ça réchauffe le cœur de voir ça. Ce puzzle est trop compliqué. Mais oui, des pièces de puzzle. C'est une idée de génie. Donne-les-moi. Hé, j'ai pas fini. Tadam! Qu'il neige! T'es le roi de la neige! C'est l'Antarctique ici ou quoi? Super ces flocons de neige! Vous remportez un autre point dans votre collection. On va faire quoi avec ce mur? Le pouvoir des CD, frérot! Je kiffe! Faut bien les accrocher. Ces CD sont glaciales. Comment s'en sortent les filles? Le pouvoir du feu. Aouh! De la cire chaude! Je me suis cramé les doigts!
Il me faut immédiatement un antidote contre les brûlures. D'ailleurs, c'est une super idée, ça, pour un bougeoir. Enroule de la ficelle autour d'un verre. Fais un nœud. Mets des couches de sable coloré dedans. Ajoute une bougie rouge au sommet. C'est terminé! Elliot, regarde ce que j'ai trouvé! Des tuiles glacées pour l'extérieur. Je suis un génie, non? Faut les mettre bien droites. Bro, toi et moi, on est les rois de la glace. Roxy, j'ai une idée! On va soudoyer l'animateur. J'ai déjà préparé mon fameux hot dog. Va lui donner ce délice, Roxy. Monsieur l'animateur, la chambre chaude a un petit cadeau pour vous. C'est pour moi, merci. C'est tellement gentil. Et tellement piquant. C'était quoi ça? Oups. Ajouter du tabasco, c'était une mauvaise idée. Ça brûle. Sainte Elsa de la glace. Oh, merci les gars. Je vous donne un point pour m'avoir sauvé la vie. Et ce hot dog en cadeau. Oh, il crame trop. Les dames de glace et de feu, c'est un jeu très excitant. Mais la glace finit quand même par éteindre les flammes. J'ai gagné! Non, mais pourquoi? C'est pas juste. Tout était juste. Un point pour le gagnant. Et ouais, excuse-moi, la femme aux chandelles. Regarde ce que j'ai trouvé. Des bûches pour notre feu de joie. Garde ce bloc de glace bien droit. Oh, on a oublié nos outils. On a attaché des morceaux de tissu sur les bûches. Allume le sèche-cheveux. Waouh, on dirait un vrai feu de joie. Regarde, les garçons ont laissé leur glace sans surveillance. Hey, où est notre bloc de glace? Pas de glace, pas de victoire. Désolé les gars. Merci les garçons. On va boire à votre santé. Waouh! Vous avez un vrai feu de joie ici. Ça vous rapporte un point entier. Tiens, une boisson. 2 points pour la chambre de feu. Il fait tellement chaud. Il fait trop froid. Hé, les garçons, on échange de chambre? Il fait vraiment frais ici. Ah, il fait bien chaud dans cet endroit. C'est la grande finale. Je suis tellement heureux que vous vous soyez réconciliés. Venez ici, les amis. C'est une égalité. Maintenant, vous vous entendez bien. Hé, notre argent! Chopez-le!